Bonjour à tous et bienvenue sur Super Mario Galaxy, les boys, dans cet épisode numéro 6. Il est temps de continuer notre aventure, c'est parti. Attention, regardez, on va parler déjà à la petite Toadette. Tu as reçu une lettre de la princesse Peach, qui n'est autre tout simplement que la même chose que la dernière fois, à savoir 5 champis up. Donc on va bien sûr dire oui, puisque bon, il n'est pas impossible qu'on meure dans le jeu, forcément. Donc, oh, princesse, même prisonnière, elle pense toujours aux autres. Allez, à la prochaine. Voilà, et il y a même un champi là-bas qu'on pourrait peut-être aller chercher, hein. C'est bonus. C'est bonus, on pourrait aller le chercher, par contre il faut que j'aille sur les plateformes vertes. Alors pour ça... on va aller par là. Je crois même qu'il faut qu'on passe par là, hein. Ah ah! Je suis pas sûr qu'on peut au final parce que. J'arrive pas à voir en fait. L'angle de vue n'est pas bon. J'arrive pas. C'est pas grave. On essaiera de voir ça pour le prendre vers la fin de l'épisode. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là-bas. Puisque j'avais dit qu'on irait faire la galaxie qui a été créée grâce au Goomba affamé. Donc on va faire ça, puis ensuite on ira donc au nouveau dôme. Tu es allé dans cette galaxie, astéroïde au cocon. Alors je sais plus du tout ce que c'est ça, mais je pense que je vais m'en souvenir une fois que... Je pense que je vais m'en souvenir une fois qu'on y sera. Donc on va voir ça. Les cocons élastiques. Ah bah oui, c'est ça, c'est le truc où il faut qu'on se déplace. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est easy ça, easy. Mais il faut bien viser parce que sinon c'est la merde. On peut y arriver, on peut le faire. Ça nous fait une étoile en plus, hein. Ça permet de déverrouiller des galaxies donc. Voilà, alors. Ah, il faut aller ici. Voilà, là on pourrait tenter. On pourrait tenter le champi, mais je me suis dit. On a assez de champi. Donc il n'y a pas vraiment besoin. C'est bon, on a réussi. Oh oh oh! Ouais, les fragments un peu partout là. On va quand même les récupérer. Alors attention parce que là, il y a un trou noir. Et le trou noir, c'est jamais bon. Ça peut nous inspirer très vite. Oh! Hop! Oh, faut surtout pas se louper, hein. Là, je pense qu'on va pouvoir avoir le champi. Yeah! Alors, ça va être un petit peu plus tendu, là. Oh non, 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 non! Je le savais. Ah ici c'est tendu hein, parce que les trucs ils sont très grands et puis ils font comme ça en fait, ils font dans les deux sens. On va y arriver, on va y arriver. Ah non bah si tu fais ça, ça marche pas. Si tu fais ça, non ça marche pas. Ah, là, là, là. Ça marche pas. Ah il est un peu chiant celui-là, j'avais oublié. En fait il faut vraiment bien viser parce que si on vise mal... Ça c'est le plus dur en fait. On pourrait aller directement là-bas, je pense. Oh, on l'a fait. Alors, en fait, c'est parce que je voulais aller chercher le champi, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis mort.
Ok. Alors l'étoile est là-bas, il va falloir viser, vraiment prendre son temps. Yes, on l'a eu. Bon, deux morts. Ça va encore. Ouais, c'est chiant ça, parce qu'il faut vraiment bien viser. Si t'es pas bien aligné, Lightbox ne fait pas forcément tout le temps son travail. Alors là, si on pop devant Harmonie, c'est pas pour rien. Je pense qu'elle va vouloir nous parler. La bibliothèque d'Harmonie est ouverte. La lecture du livre d'histoire peut commencer. On ira voir ça plus tard ou vers la fin du let's play. Ok, donc Harmonie ne voulait pas nous parler, donc c'est très bien. On va vite retourner vite fait dans le dôme pour voir si on a tout fait, tout ce qui est défi, etc. Parce que je me souviens plus exactement. Ça fait deux jours que j'ai pas tourné. On va vite vérifier, puis ensuite on va aller dans la nouvelle zone. Eh oui, parce que suspense les gars. Alors ça c'est fait, mais il y a une comète, ça c'est fait, et ça c'est fait. Voilà, c'est parfait. Nickel. On a la réponse. Allez, je crois même qu'on peut passer par là. Voilà. Je crois que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Voilà, c'est ici. Le nouveau dôme est par là. Ah, bah il y a un champi huple en dessous. On va le récupérer. Voilà, comme ça on sera 11 vies, ça rattrapera les conneries qu'on a faites tout à l'heure. Et attention, nouvelle galaxie les boys, troisième galaxie. Alors ça c'est toujours pareil. Mais regardez, on a déjà accès à ces trois planètes. Défi de la bulle. Celui-là on le fera peut-être plus tard. Plage et Saladier. Ah, celle-là j'aime bien. Galaxie fantôme. Celle-là elle est dure. Bon, on va commencer par Plage Saladier. C'est parti les boys. Saint-Imon au fond des mers. Regardez-moi cette eau. Waouh. Regardez ça comme c'est beau cette eau, sans déconner. C'est magnifique. J'adore. Je suis fan. Hein. Ah. Mes élèves sont trop fascinés par ces sentiments dans la mer pour passer l'examen. Alors je crois qu'on peut récupérer des bulles d'air et ça nous fait respirer. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc là, il va falloir trouver les trucs. Là. J'adore la musique. Il y en a un juste là-bas. Nickel. Bon, il y a des petits bugs de son par moment. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Normal. Je vous l'ai dit, hein, c'est sur émulateur. Hein, ça lagouille toujours un petit peu. Et je crois que le dernier, il est là. Ouais, regardez. Ça va, ils sont pas trop cachés encore, ça va. Je crois que ça fait apparaître un truc pour aller vers l'étoile, il me semble, hein, c'est ça.
Est-ce que c'est possible de récupérer ce champi? Je pense qu'il faut utiliser la balançoire. Ok, alors attendez. Certainement faire un triple saut. Ah, c'est bon, je l'ai eu. On va pas perdre notre temps là-dessus, ça sert à rien. Ah, regardez, il y a un tuyau là. On va y aller. Ah ah. Aïe, ça c'était pas nécessaire ça. Oh, tout plein de fragments. Ça fait plaisir ça. Voilà. On en a besoin des fragments, je vous l'ai dit, c'est très important pour les limas affamés. Je sais plus où est-ce qu'il faut qu'on aille exactement. Déjà là nous avons un coffre. Je crois qu'il faut une coupa pour l'ouvrir. Attendez, si je dis pas de bêtises, l'étoile est par là, ouais, c'est ça. Bon bah c'est parti hein. On a plus rien à voir ici. La musique de l'eau, ça. Attends, comment tu veux que je la tienne? Ça fait quoi si je fais ça? Non, c'est... Ah, il aurait fallu monter par là-bas. Ok. C'est pas grave. On va attendre. De toute façon, le champi a l'air de rester indéfiniment, donc c'est cool. Ok, c'est bon. Allez, on zappe. Eh, ça lagouille, hein, c'est un truc de fou. Hein. Parce que si je passe par là... On doit passer par où? Est-ce que c'est un piranha? Non. Si tu veux atteindre quelque chose très haut, tourne-toi pendant un saut. Moi je dois aller où exactement? Ah, est-ce que c'est pas toi là? Non? Ah mais si, c'est obligé en fait que je passe par là.
Ah oui, voilà. Rien de sorcier au final. Bon, un peu long pour récupérer cette étoile, mais bon. Je suis persuadé qu'on devait monter autrement en fait, plutôt qu'avec l'interrupteur. Je sais pas pourquoi. Nickel. Bon, vu qu'on a cafouillé un petit peu au début de l'épisode, je pense qu'on va finir au moins cette planète. Ça sera déjà pas mal. Ah, déjà une nouvelle galaxie. Un Guinfoluma est apparu. Yeah. Nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie des étoiles. Ah, on a déjà découvert la galaxie du boss final de la galaxie, c'est pas mal ça. En planète plutôt. L'usine de vaisseaux. Ah, il est bien celui-là. J'aime bien. Le boss il est sympa. L'examen de natation. Est-ce qu'il va pas falloir faire la course d'ailleurs? Je me demande. Je crois qu'il va falloir faire la course avec des pingouins. Sauf que moi j'ai pas de palme, je sais pas comment je vais faire. Toi aussi tu veux passer l'examen de natation? D'accord. L'examen consiste à ramasser une carapace, rapporte-moi la carapace dorée qui se trouve dans la mer. Où est-ce qu'elle est celle-là? Où est-ce qu'elle est celle-là? Ah elle est là! Oh! C'était pas très compliqué, hein. Oh, je ne pensais pas que tu arriverais à la ramener. Tiens, je te donne cette grosse médaille d'or. Ah bah écoutez les gars, ça rattrape l'étoile que j'ai galéré à récupérer tout à l'heure. Sans pour autant galérer. Elle était très rapide celle-là. Au fait, tout cela est très bien, mais... Es-tu un de mes élèves? Bah non, je suis un humain. Ah. Très bien, alors par contre il va falloir peut-être que je ferme ma fenêtre moi parce que vous savez comme j'ai des softbox, il y a des insectes qui vont finir par rentrer. Déjà là il y a un papillon qui est arrivé. Bienvenue au club. Un nouveau chapitre a été ajouté au livre d'histoire. J'aurais peut-être pas dû découvrir la galaxie du boss parce que le problème c'est que ça déclenche une musique qui est un petit peu stressante. Ah bon. Hop. Dernière étoile de cette planète. Le mystère de la grotte au tourbillon. Effectivement, c'est un tourbillon. Hein. Un tourbilol. Ok. Ouf. Voilà. Tac tac tac. Wow, comme ça lag. Ah, y a juste ça dedans. Très bien. On va aller déjà parler au gars là, au petit pingouin. Ah non, il faut une carapace. C'est obligé.
Ça aime pas trop, j'ai l'impression, quand j'ai une carapace. J'ai bientôt plus d'air. Ok. En mode gangbang de chauve-souris. Ah, c'est le truc avec les cubes et les tompes. Ça, j'aime bien. Oh non putain, j'avais pas vu qu'on pouvait tomber par là. Ah merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, il est vénère le tombe. Lui, on va le suivre. Je crois que c'était là. Attention à ces conneries parce que ça peut être assez traître. Alors fais voir toi. Ok, il suffit juste de regarder le comportement des cubes. Ah, il ravance encore là-bas. Donc je vais attendre qu'il vienne par là. Là, je crois qu'il faut aller par là. Et l'étoile est juste là. Nickel. Voilà. Oh, le plus dur ici, c'est d'analyser le comportement des cubes. Bah voilà. Bon, on va aller faire le défi de la bulle, puisque je sais plus du tout ce que c'est que ce truc. Ça m'intéresse de voir. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que... t'as fait un jeu qui était sur une ancienne console et t'as vendu cette console parce que t'as des nouvelles consoles qui sont sorties en HD avec des nouveaux jeux qui te plaisent et que t'as plus de place, t'as plus forcément envie de jouer à cette console, mais avec le temps t'as forcément envie de rejouer à ce jeu qui t'a plu, et pour ça t'as le Dolphin, tu vois, t'as l'émulateur, t'as Dolphin émulateur, et ça c'est de la bombe les gars, voilà, tu peux y rejouer et puis c'est gratuit, c'est ça qui est cool. Alors soit, si je crois à mes souvenirs, je crois qu'il est chiant ce truc. Je vais galérer à le faire. Contrevent et marée. Ça me dit quelque chose, ça. Je crois que si je crois... ouais, c'est ce truc-là. Il est chiant, ce truc. Je sais plus s'il faut utiliser le truc avec le emote, mais on va bien voir s'il y aura une ellipse ou pas.
Le vent souffle fort, mais ça doit être agréable de s'y laisser porter. Ouais, alors attends. Parce que je sais plus. Je crois qu'il faut aller dans une bulle, ouais, c'est ça. Faut aller ici, voilà. Si tu comptes monter dans cette bulle, tu ferais mieux de m'écouter. Moi, le grand panneau d'affichage. Une fois dans la bulle, appuie sur A pour que le curseur souffle de l'air. Utilise ce souffle pour pousser la bulle dans la direction de ton choix. Ça demande un peu de maîtrise, mais tu devrais t'en sortir. Ah oui, c'était comme ça, je m'en souviens. En fait, il faut attraper ces trucs-là. Oh, doucement, doucement. Doucement. Voilà. Là, il y en a une là. Là, 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 là. Je l'ai eu. Ah, l'autre, il est juste là. Non. Ah, ça aurait été tellement parfait de faire un sans faute. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça va, c'était pas ce que je croyais. Mais je sais qu'il y a un niveau dans le jeu. Maintenant qu'on sait où ils sont. Voilà, ici prends ton temps. Pas besoin d'aller vite. Oh, je croyais que j'allais planter nouveau. Ok, maintenant il faut qu'on retourne là-bas. Oh! J'ai pas eu le temps de réagir. Mais vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là. Attention parce que ça peut être assez traître ce truc. Non, oh non, 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 non. Ça fait quoi ça? Moi je suis les flèches. Hein. Non, non, on va pas passer par là. Les champignons huppes, mieux vaut éviter de les prendre parce que des fois ça peut être assez traître en fait. Ça vous incite à perdre. Et puis voilà, après si on fait un game over, c'est pas grave. Ça nous fait juste quitter normalement le truc. Non! Ok. C'est bon, on est sur le sol, ça va. Bon, bah voilà, bah écoutez. 30 minutes, l'épisode. Voilà. C'était juste pour attraper le cafouillage finalement que j'avais fait en début d'épisode. Je me suis dit, autant qu'on finisse une planète complète et qu'on fasse le défi de la bulle. Sympa le défi de la bulle, j'avais zappé ce truc-là. Voilà, c'est cool. Bon, ah bah écoutez les amis,
On va se laisser là pour cet épisode finalement. On pourrait peut-être encore regarder avant de se quitter. Combien est-ce qu'il veut de fragments lui? Il en veut 600. J'en ai 668, bah, ça tombe bien. Ça y est, je suis repu, allez on y va. Transformation! Voilà. Et on se réservera ça, bien évidemment, quand on aura fini donc ce dôme-là. Cette galaxie-là, tout simplement. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 6 sur Super Mario Galaxy. J'espère vraiment et sincèrement qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce de les familles qui fait super plaisir. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures commentées de A à Z. Allez, ciao tout le monde, c'est Taikanite, and thanks for the next episode. Oh yeah!